Bonjour à tous et toutes, ici Vigo à votre service. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de Rainbow Six Extraction. Donc ici on va essayer de continuer à faire quelques parties de Nightmare Fog. Essayer de terminer les études le plus tôt possible, même si ce sera pas facile, hein, je vous avoue. Et puis après, ce sera ça le menu. Hein. Et après on va probablement sauver des agents. Voilà. Donc c'était ma bonne chance et puis après on va voir. Hein. Comme d'habitude, je dirai rien pendant les games. Et puis après, on fera un petit débrief après entre chaque game. Voilà. Oh oui, d'accord, d'entrée de jeu, un spécimen. De Sierra. En plus Sierra, ah, ça va être chiant, en plein brouillard, ah oui ça va être compliqué, je crois c'est une des maps les plus compliquées en fait, avec tout ce Dask. Hein. J'ai toujours une vision d'ensemble. Je vais juste voir l'arbre que j'ai. Non, c'est Yves Wendy, c'est ça? Je sais plus. Ouais, c'était Yves Wendy. Bon, on se retrouve à la fin de la game. A tout de suite. Munitions, là.
active. Système de capture active. On a un opérateur à terre. Capture terminée. Rien ne vaut un spécimen tout frais et actif. Un agent, mais vous laissez pas abattre. On peut encore reprendre la main. Il y avait trop de monde. On n'aurait pu faire. C'est pas à peu prendre de risque, il y a trop de monde. Désolé Finca, mais on n'a pas eu de prendre de risque. Voilà. On a réussi une mission. Mais ça nous a pas pu avancer. Eh ben c'est pas... On va essayer de continuer. Hein. Attends juste un peu que l'adrénaline fasse son effet. Plus donner de deuxième chance à Denis. Je
pendant un moment. Toute victoire est de la prendre, même temporaire. Permis d'arriver jusqu'ici. Alors continuez. Séquence de SAS actif. Rejoignez le SAS immédiatement. Tenez votre position dans le SAS jusqu'à la fin de la séquence. Séquence de SAS, transition de sous-zone en cours. Détectez des nids anormaux. Une autre souche mutagène. Localisez les nids. La source propage la brume. Occupez-vous en premier des nids pour nettoyer la zone. Éliminez-les. Rechargement simulant détecté. Fonction cognitive rétablie. Pour obliger le néoplasme à s'appuyer. Un échantillon. Rechargement. Système nerveux central compromis. Neurostimulant recommandé. Attention, niveau de neurotoxine en hausse. La source a diminué sa production d'énergie, qui joue en notre faveur pour le moment. Très bien. Continuez comme ça pour la sous-zone suivante. Convergez sur la position. Faites le plein ici. Décret, par ici.
à la sous-zone suivante. Séquence de SAS initialisée. Le personnel doit rejoindre le SAS immédiatement. Séquence de SAS, transition de sous-zone en cours. Ah!
Gustavo, vous avez pris de bonnes décisions. Et on doit récupérer notre agent. Dommage, on était si proche. Après, à la fin, j'étais totalement perdu. Oh. Bon, on va récupérer notre agent. Juste un petit truc pour les études. Ouais, d'accord. Allez, on va essayer d'atteindre, sauver notre agent. Ça va dépendre s'il y a des nids à détruire avant. Ah ouais, d'accord, carrément dernier. Bon, bah on va faire une mission un peu plus complète. Et puis on va repartir. Je m'attends à ce que les archis s'adaptent à mes grenades. Et je suis prêt pour ça. Ah, c'est Sage. C'est Smoke. Je vais prendre Sage en fait. Ils ont même coupe, même combinaison. Quelqu'un a demandé un serrurier ? Voilà, il y a des choses similaires. Les excuses. Cartographie des nids indique la présence de nids anormaux. C'est ça, cherche. Trouvez-les. Un néoplasme nocif entraîne des mutations chez les nids. Détruisez ces nids et prélevez un échantillon du néoplasme. Ouais, juste alors où je trouve. Parce que bon, s'il y a un, si je réveille un et les autres se rapiquent. Ça va être utile à nos scientifiques. Je recharge. Ouais. Chargement.
vachement bien. Continuez comme ça dans la prochaine sous-zone. Je recharge. Bon. Bon, qui fait un peu de Mario là. Je passe à la zone. Séquence de sas, transition de sous-zone en cours. On a du monde coincé dans cette sous-zone. Ils n'ont pas pu rejoindre le sas du labo. Évacuez toute personne que vous rencontrerez. Oula. D'accord, c'est grâce à ça qu'ils rendent les choses invisibles. Alors, comme si je vais avoir assez de problèmes. Pourtant, on est bien en difficulté minimum, hein, j'espère. Escortez le VIP au point d'extraction. Évacuez l'objectif. Protégez-le à tout prix. Protégez l'entité. J'aurais bien voulu avoir autre chose que... Placez l'élément dans le fond d'extraction. Contente qu'on ait fait appel à vous pour cette mission. Sortez bien. Non, moi. Continuez comme ça pour la sous-zone suivante. Séquence de sas, transition de sous-zone en cours. Tout ça pour un agent. La dernière position connue de notre agent est près d'ici. Ne perdez pas l'objectif de vue. Un peu. Non, je peux... Gardez un œil sur l'arbre archéen quand vous libérerez notre agent. Il essaiera de vous en empêcher. Avec tous les trucs qu'il y a autour, ouais. Ouais.
Le nettoyage. Alors, on va se battre à jour. Ah, qu'est-ce qu'il pète, barbon, c'est magnifique. Bon. Ah, ils sont pas à côté en plus. Ah, ici, un en face. Ça commence. Tirez sur les points d'ancrage lorsqu'ils s'ouvrent. Vous avez affaibli l'arbre. Sortez notre agent. Voilà. Après, on va repartir. Hein. Voyez. Allez. Ça marche. L'arbre arqué en lâche prise. Non, mais l'agent est là. Vous avez réussi. Amenez notre agent au point d'extraction. Placez l'opérateur blessé dans le caisson d'extraction. Ouais, c'est pas prévu qu'il y ait autant de monde. L'agent est en sécurité. Réacte médicale se chargera de le soigner. Préparez-vous pour extraction. Super boulot. Grâce à vos efforts, on pourrait bien obtenir de nouveaux financements privés. Eh ben. Si ça, c'était pas... C'est pour pas récupérer un agent. Il faut prévoir le pire à chaque mission. Ouais, ben, considérez qu'on va perdre un ou deux agents, quoi. Bon, bref. Je vous laisse, et puis on se retrouve à retrancher. Votre cible est la source de la brume. Trouvez-la et neutralisez-la pour nettoyer l'air.
Et si vous ne vous sentez pas bien, utilisez les neurostimulants. Attention. Voilà la première station. Activez-la. Il y a des munitions par ici. J'ai trouvé du matériel React. Séquence de SAS initialisée. Le personnel doit rejoindre le SAS immédiatement. Il rentre là-bas. Séquence de SAS active. Rejoignez le SAS immédiatement. Restez dans le SAS et n'utilisez pas. Séquence de SAS, transition de sous-zone en cours. Les données de cartographie des nids indiquent la présence de nids. La brume. Occupez-vous en premier des nids pour nettoyer la zone. Éliminez-les. Allez là-bas. Une fois la séquence de SAS activée, cette sous-zone ne sera plus accessible. Collecte d'informations pour un fortement conseillé.
continuez à détruire des nids anormaux et le néoplasme deviendra vulnérable. Alors. Rechargement. D'après les mesures, la source semble affaiblie. On devrait pouvoir utiliser cet avantage plus tard. Camoufle la mise à la main. Exfiltrez votre coéquipier. Amenez-le au quai pour l'extraction. C'est bon, je suis debout. L'équipe s'est fait avoir. On doit aller les chercher dès que possible. Dommage. On a été parti pour justement faire le duel sans arbre faune en forme. Voilà ce qu'on va faire. On va faire la fin des sauvetages des agents. On va changer un peu.
je les mets à terre, ils ne se relèveront pas. Le meilleur de la Pologne, prêt à servir. Ouais, parti avec elle et puis on verra ce que ça donne. Attendre à Libye. Enfin, le dernier. Neurostimulant détecté. Fonction cognitive rétablie. Localisez la source. Vous trouverez également des neurostimulants qui vous aideront à contrer ces effets. Attention, niveau de neurotoxines en hausse. Il y en a un, juste là. Voilà, un petit geste pour attirer l'attention. Ouais, le leader se dirige vers vous, c'est confirmé. Continuez comme ça. Vous pouvez pas vous arrêter. Je prends des munitions. Rechargement. Ici, la quête de soins. C'est bon pour nous ici. Allez à la sous-zone suivante. Ah, il motive un peu trop. Attends. Séquence de sens, transition de sous-zone en cours. On a détecté des nids anormaux, une autre souche mutagène. Attention.
La brume. Occupez-vous en premier des nids pour nettoyer la zone. Éliminez-les. Rechargement. Anormaux, et le néoplasme finira par sauver. Le personnel doit rejoindre le SAS immédiatement. Séquence de SAS actif. Rejoignez le SAS immédiatement. Restez dans le SAS jusqu'à la fin de la séquence. Séquence de SAS, transition de sous-zone en cours. Au service.
la brume doit se trouver dans cette zone. Localisez-la. Les archéens ne vont pas apprécier ce qui se passe. Attendez-vous à la visite. Vous êtes sûr que c'est bien la vraie moi ? Portée disparue au cours d'une incursion. Quoi qu'il arrive, ne laisse pas la même erreur. Ouais, j'ai oublié de mettre. Gardez un œil sur l'arbre archéen quand vous libérerez notre agent. Il essaiera de vous en empêcher. J'ai les cellules archéennes. C'est notre chance. Faites sortir notre agent de là.
Encore un peu. Tenez bon. Et son extraction en attente. Évacuez notre agent. Ouais, je peux pas courir. Amenez l'agent blessé au caisson d'extraction. L'agent est en sécurité. React Médical me tiendra informé de sa construction. Préparez-vous pour extraction. Vos efforts n'ont pas été vains. Vous avez obtenu des infos. Toute l'équipe est allez, à l'avance comme moi. Merci, H. Je rache hein, pour avoir deux. Code d'incursion appliqué. Activation des trackers. Il y a des nids anormaux dans cette sous-zone. Trouvez-les. Je vous aurais fait volontiers. Lancez la séquence de SAS, la sous-zone actuelle sera plus accessible. Séquence de SAS, transition de sous-zone en cours. La dernière position connue de notre agent est près d'ici. Ne perdez pas l'objectif de vue. Drone en service. Où vous allez essayer d'extraire l'agent. L'arbre va résister. Point d'ancrage et tirez quand ils sont verts. C'est notre chance. Faites sortir notre agent de là. Allez. Après cette sauvetage, je vais faire une coupure. Et puis je vais essayer de faire une mission pour essayer de conclure la vidéo avec une encore mission. Un peu. Tenez allez. Bon. Alors, je m'en vais. Vous avez réussi. Amenez notre agent au point d'extraction. Ouais.
Ah. Placez le blessé dans le caisson d'extraction. Faut que je recharge. Tout le monde au pionnier a suivi le sauvetage. Vous imaginez pas à quel point on est soulagé. Ça, c'est bon. On va gagner un peu de temps. Voilà. Préparez-vous pour extraction. Cette incursion est peut-être qu'une étape, mais elle va nous donner des informations pour les suivantes. Donc, comme je l'ai dit, je fais une, entre guillemets, une coupure, enfin une pause, mais c'est une coupure. Ensuite, je vous mettrai la vidéo de la une mission où j'ai réussi à finir Nightmare Fog. Voilà, à tout de suite. Détecteur préventif de menace prêt et paré à l'action. Et neutralisez-la pour... Là-bas, en plein milieu des archéas. Déploiement du capteur cardiaque. À la brume, plus vous en ressentirez les effets. Attention aux hallucinations. Voilà, un petit geste pour attirer l'attention. Altéré. Neurostimulant suggéré.
sachez. Si on élimine leur chef, les Archéens n'ont plus personne à suivre. Système nerveux central compromis. C'est bien. Continuez comme ça pour la sous-zone suivante. J'ai trouvé du matos réact. Séquence de SAS initialisée. Le personnel doit rejoindre le SAS immédiatement. Séquence de SAS, transition de sous-zone en cours. Scan du HBC en cours. On a détecté des nids anormaux. Une autre souche mutagène. Attention, niveau de neurotoxine en hausse. Là, un néoplasme nocif. C'est comme ça que la source propage la brume. Occupez-vous en premier des nids pour nettoyer la zone. Éliminez-les. À détruire ces nids anormaux et le néoplasme finira par courir. Rechargez-le. Convergez sur la position. C'est bon. Séquence de ça, c'est pour transition. Du matériel réactif. Prisme localisé. Capteur cardiaque déployé. Drone opérationnel. La source de la brume doit se trouver dans cette zone. Localisez-la. Les points d'ancrage et les cellules archéennes pour l'affaiblir. Mise à jour écosystème, arbre toxique au maximum d'énergie. Attention, les lasers ont toxiques. Terminé. Récupérez la partie en retour. E1P, récupérez des données. Je vais extraire.
continuer comme ça. Mur fortifié. À faire full power. Donc et on sacrifie un truc pour battre d'arbres à full puissance. C'est possible, hein, c'est fait pour. Bon. On va s'y en demander. Même si je pense. C'est possible. Ok, je vous fais une petite coupée puis on repart. À tout de suite. Super. Je sais être patiente. Si, mais j'ai mes limites. Ça va être l'ambiance et puis on repart. À tout de suite. Sont à votre disposition pour lutter contre ces effets. Plus vous êtes exposé à la brume, plus vous en ressentirez les effets. Attention aux hallucinations. C'est la première station. Les ondes sismiques à distance. Vous aurez moins la nausée sur le terrain. Des munitions.
séquence de SAS initialisée. Le personnel doit rejoindre le SAS immédiatement. Tout le monde, on va au SAS. Séquence de SAS active. Rejoignez le SAS immédiatement. Tenez votre position dans le SAS jusqu'à la fin de la séquence. Séquence de SAS, transition de sous-zone en cours. Il y a des nids anormaux dans cette sous-zone. Trouvez-les. On devrait rejoindre les là-bas. Attention, niveau de neurotoxine en hausse. Près de la source de la brume. Il s'agit d'un arbre archéen qui a muté. Rechargement. C'est l'arbre toxique. Visez les points d'ancrage et les cellules archéennes pour l'affaiblir. Les archéens vont se rendre compte de ce que vous faites. Restez en état d'alerte. Déploiement du dispositif. Je vais continuer encore jusqu'à ce qu'on la perde. Voilà. Sauf si on s'arrête tout de suite. Le départ du troisième. Et au moins on a réglé le problème d'abattre quelqu'un à full power quoi.
Ah, ok. Bon, bah, on va s'arrêter là. Au moins, on a réglé ça. Donc, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Ouais. Faites une pause hein, si jamais vous voulez voir un peu plus. Donc il reste encore avec une crise critique, ça faut vraiment bien gérer et faire ça trois fois, ça c'est showtime. Avec des 100, faire disparaître plus de 3 assassinations avec des munitions. Ouais, faut que j'essaye de battre, faut que je fasse une mission sans utiliser 3 fois, je crois. Détruire un arbre toxique et une extraction sans faire disparaître plus de 3 assassinations avec des munitions. Bon, et en plus, j'ai fait le truc. Bon, bah voilà. Donc, la prochaine étude, on fera un peu en off, je pense. Vu que ça va être assez long. Bon, bah, en tout cas, je vous avoue que j'avais peu d'espoir de faire cette étude. Hein, annihilation d'arbres sans avoir affaibli. J'avoue, j'ai un peu peur. Bon, maintenant, on va falloir gérer ces trois-là. Mais ces deux-là, ce sera pas facile. Hein. Mais il faut battre un marbre toxique, c'est pour dire. Bon. Dans tous les cas, bah, je vais vous laisser là. Hein. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis on se dit à la prochaine. Salut à tous!